Bonjour Olga Marine, responsable donc, de la politique sur les femmes au sein du parti des FARC, et Luis Alberto Albán, Marco Calarca, nouvel représentant député des FARC au Congrès des députés colombiens. Están de visita a Francia, me parece que asistieron a la fiesta de l'humanité y lo aprovecharon para visitar la Fondation Jean Jaurès. Donc vous êtes de passage à Paris à la fête de l'humanité et vous en avez profité pour venir à la Fondation Jean Jaurès. Unas preguntas 2 años después de la firma de los acuerdos de paz. Alors, quelques questions pour faire le bilan 2 ans après la signature des accords de paix. Et qué balance se puede hacer de estos 2 años, sobre todo después del cambio presidencial en Colombia? ¿Piensa que fue una apuesta positiva y que hay que seguir o piensa que hay que marcar un momento de críticas? 2 ans après la signature des accords de paix, surtout après le changement de président en Colombie, est-ce que vous pensez que la signature de ces accords a été une chose positive ou est-ce que vous avez des critiques à faire? Bueno, lo primero que hay que decir es que el proceso de construcción de la paz en nuestro país no tiene reversa. No vamos para atrás. Tenemos un balance que no es totalmente positivo. Tenemos muchos incumplimientos por parte del Estado colombiano. Tenemos, digamos, la posibilidad con este nuevo gobierno de insistir en la implementación de que cumplan lo pactado. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. La paix, la signature d'un accord est irréversible. La seconde, c'est qu'effectivement, on n'est pas satisfait de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points qui ont été négociés qui n'ont pas été respectés. Et qu'en particulier, le nouveau gouvernement actuellement traîne des pieds pour appliquer pleinement les accords de paix. En quel punto están críticos, por ejemplo? Quels sont les points sur lesquels vous avez des critiques à émettre? Porque no se han implementado totalmente los puntos del acuerdo, la reforma rural integral, porque se pretende acabar con la sustitución voluntaria de cultivos, porque la reforma política y la reforma electoral tampoco se dieron, y porque la reincorporación en lo económico, lo político y lo social de quienes hicieron dejación de armas no se complementa fundamentalmente en el tema de los proyectos productivos. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on a des critiques à émettre, hein, sur la substitution des cultures de drogue, donc sur le problème agraire. Il y a également le problème de la réinsertion des combattants, les problèmes de l'évaluation des responsabilités en matière de droits de l'homme et de crimes. Donc il y a plusieurs points sur lesquels on souhaiterait que les accords soient respectés. Y quiero decir que este gobierno tiene una inmensa posibilidad de lograr la paz completa en nuestra patria. Primero, implementando correctamente los acuerdos firmados en La Habana con las FARC y segundo, avanzando en el diálogo con el ELN. Ce gouvernement aurait la possibilité de réaliser pleinement les accords de paix sur 2 points. Le premier, ce serait de réaliser pleinement ce qui a été signé à La Havane. Et le second point serait de mener à bien et à bon terme les négociations, le dialogue de paix avec l'ELN. Sobre este punto, el diálogo con el ELN parece que está muy estancado. Sur ce dernier point, le dialogue avec le ELN, il semblerait que ce dialogue soit dans une voie sans issue actuellement. Sí, pero lo rescatable es que la mesa está, digamos, está el escenario para que las partes se sienten y empiecen a resolver los problemas y empiecen a construir
et l'accord de paix. C'est vrai, mais la structure permettant de dialoguer, un dialogue, est toujours en place et il suffirait de la réactiver pour qu'elle se remette à fonctionner. Qu'espera, por qué esta visita a París? ¿Cuáles son los mensajes que ustedes quieren transmitir? Pourquoi est-ce que vous faites ce déplacement à Paris? Quel est le message que vous voulez transmettre, transmettre à los franceses? Olga. Fundamentalmente participar en el festival del partido del periódico La Humanidad y poder dejar en la opinión francesa la situación que se está viviendo en Colombia. Alors, nous sommes venus à la fête de l'humanité, du Parti communiste, pour transmettre un message au peuple français qui est celui de donner notre point de vue sur la situation en Colombie. O sea, en Colombia se firmó el acuerdo y es un paso importante, pero ahora falta la implementación para que realmente podamos construir la paz. En Colombie, il y a eu quelque chose d'extrêmement important avec la signature des accords de paix, mais encore faudrait-il que ces accords soient pleinement appliqués, ce qui n'est pas le cas. Por eso es importante que la población europea, específicamente aquí en París, nos acompañe porque se puede creer que ya se silenciaron los fusiles y en Colombia no hay problemas, y no es así. Donc ce qu'on veut transmettre à la population française en particulier, c'est qu'ils soient bien conscients que les choses ne sont pas terminées et bouclées à partir du moment où les armes ont été déposées. Una cosa muy complicada que está sucediendo es que siguen los asesinatos de líderes y de lideresas sociales, además de excombatientes y familiares. Un point très important qu'il convient de souligner, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des assassinats politiques, des assassinats non seulement d'anciens membres des FARC, mais aussi d'animateurs sociaux, syndicalistes. Y dentro del acuerdo hay una parte que tiene específica sobre ese tema. Entonces, es necesario que el gobierno cumpla y ahí es importante la presión que puede hacer la comunidad internacional para que pare el genocidio en Colombia. Et ces crimes sont effectués alors qu'il y a un point des accords de paix qui prévoyait que ce genre de choses ne pourrait pas se répéter. Donc il est important d'informer la communauté internationale pour qu'elle puisse faire pression sur les autorités colombiennes. Et bueno, no sé si quiere añadir un otro mensaje, una cosa más, para concluir. Agradecerles por esta posibilidad de entregar nuestra opinión, de dar la información y solicitar nuevamente la solidaridad con la paz, con la construcción de la paz en Colombia. Y on veut simplement remercier de nous avoir permis d'exprimer notre point de vue sur la Colombie, le processus de paix, et donc vous inviter à continuer à manifester votre solidarité pour la Colombie, pour la paix en Colombie.